Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur la veille dans le secteur public. Je me présente, je m'appelle Charlotte Danesi et je suis Customer Success chez Scoop.it. Nous recevons aujourd'hui Jean Dufour de la CCIO de Hauts-de-France. Merci à Jean d'être présent et de partager avec nous votre expérience sur le sujet. Bonjour, merci. Alors, pendant ce webinaire, vous avez accès à un module pour poser des petites questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On vous répondra soit directement à la fin de ce webinaire, soit par mail ou dans le chat. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc, pour commencer, la veille, en fait, stratégique et assez co et concurrentielle est clairement, en fait, établie dans le domaine des entreprises. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est, en fait, ce qu'il en est dans le secteur public. Savoir, en fait, à qui elle est destinée, pourquoi effectuer cette veille, quels sont les challenges que nous rencontrons pour faire une veille dans ce domaine-là. Donc, tout d'abord, la veille est destinée à la fois à des administrés de collectivités. Elle peut être également destinée à des citoyens qui recherchent certaines informations sur leur territoire ou des entreprises qui ont un besoin, donc, de faire intervenir certaines CCI, par exemple, pour obtenir une veille sur des domaines bien particuliers. Donc, tous ces consommateurs ont besoin d'une information avec un niveau d'expertise qui peut être plus ou moins avancé selon le sujet demandé. L'objectif est donc d'abord d'apporter la bonne information au bon moment à la bonne personne sur les sujets qu'il recherche et il y trouvera normalement, et c'est le but, une valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment accompagner à la fois des agents, peut-être à la conduite de leur métier, donc répondre à certaines questions vis-à-vis de leur métier, accompagner des entreprises sur une détection de sujets de pointe, de technologies innovantes, donc des sujets économiques qui puissent être abordés auprès des entreprises. Et ça peut être également accompagner des citoyens sur tout ce qui est sujets sociétaux, sociaux, peut-être de leur région. Donc, c'est vraiment un apport d'information et d'accompagnement auprès des personnes à qui elle est destinée. Quand on fait de la veille, que ce soit finalement dans le secteur public ou privé, on va avoir affaire à certains challenges. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler des problèmes d'infobésité. Il faut savoir qu'on est à peu près à 1 milliard de sites web. Il y a également le problème des fake news. Donc, le rôle du veilleur va être en fait de détecter la bonne information, d'apporter une analyse pour faire ressortir de cette information en fait les données qui comptent pour l'usager. Donc, apporter son expertise pour permettre une lecture en fait, pour permettre au lecteur en fait de saisir l'importance de la news assez rapidement. Donc, on va parmi ce milliard de sites web, détecter la bonne information, enlever potentiellement les fake news, vérifier la validité d'une source et apporter son expertise pour répondre à la question du lecteur, de l'usager. Dans un second temps, il va falloir rendre cette information consommable, donc s'adapter aux habitudes de votre public, de votre consommateur. C'est-à-dire, soit l'intégrer directement sur un intranet, s'il a un besoin d'information auprès de sa société. Ça peut être l'envoi via newsletter, via des réseaux sociaux. Donc, on a différentes possibilités de relayer de l'information et donc s'adapter à son public pour que cette veille puisse être consommée. Et le but, c'est donc de faire gagner du temps à votre consommateur qui, en quelques clics, en quelques coups d'œil, il puisse saisir ce dont il a besoin dans la veille qui va être relayée. Donc, pour parler justement de ça, on reçoit Jean Dufour de la CCIO de France qui va nous partager son expertise, qui va nous expliquer un petit peu donc dans la vie de tous les jours qu'est-ce que la veille au sein du secteur public et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour son métier dans son métier à qui est destinée sa veille. Donc, Jean, encore merci d'être présent aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous présenter la mission en fait d'une CCI et plus particulièrement la vôtre en fait dans votre département? Oui, tout à fait. Donc, la mission d'une CCI, c'est d'accompagner l'entreprise sur toute sa vie.
Voilà, ça c'est la mission principale d'une CCI. Et dans le cadre de ma mission, je suis dans un département qui s'appelle REV3, donc Troisième Révolution Industrielle. C'est un grand programme qui a été initié depuis 5 ans dans notre région, afin d'accompagner les entreprises à une transformation de leur modèle économique face à l'Internet, à l'énergie, et ainsi de suite. Donc, dans ce département, je suis en charge de la veille et l'émergence de nouvelles filières. Donc, j'ai besoin d'avoir des outils, des méthodologies pour accompagner en fait cette transformation et accompagner ces entreprises. Donc, voilà le principe de ma mission. Certes, je suis en relation avec, je dirais, différentes typologies de clients. Il y a bien sûr les entreprises. Mais de plus en plus, dans le cadre de ma mission et au sein de l'équipe REV3, comme c'est une équipe qui est, je dirais, multidisciplinaire et venant de différents horizons de collectivités, parce qu'on est aussi associé au Conseil régional des Hauts-de-France, on est aussi en contact avec les collectivités locales pour aussi les accompagner dans cette transformation et dans ce grand programme qui est REV3. Donc voilà, donc on a les entreprises, les collectivités et à travers les collectivités, on va très vite aussi toucher aussi le citoyen à travers cette démarche. Donc voilà un peu les missions et les cibles que l'on a maintenant. Certes, on reste quand même principalement porté sur les entreprises, mais les collectivités sont de plus intéressées par notre apport. Et puis, à travers ça, les citoyens aussi, les alerter sur ce qui se passe, en fait, dans ce programme. Alors justement, quand vous parlez d'alerter, donc cette veille, quelles sont les étapes qu'il ne faut pas ignorer pour fournir une veille de qualité auprès de ses usagers? Alors, je vais reprendre, comme tout bon veilleur, parce que ça fait 25 ans d'expérience dans le réseau consulaire au niveau de la veille. On va reprendre le cycle de la veille, hein, comme certains le connaissent, hein. Je connais quelques personnes qui sont connectées, donc on va reprendre ce cycle de la veille où on va, bien sûr, une veille, elle répond à un besoin client, donc un besoin client entreprise, un besoin client collectivité, et je pense pour une collectivité, un besoin client citoyen aussi. Donc, il faut bien cerner je dirais, le besoin du client pour pouvoir, dans la première étape, aller collecter la bonne information. Et avant de collecter, il faut bien sourcer aussi, trouver les bonnes sources d'information. Ça, c'est la première étape qui est cruciale, hein, parce qu'on va être vite pollué si on ne fait pas ce travail de sourcing et de qualification de cette source pour pouvoir aller capter cette information qui est valable. Dans la deuxième étape, bien sûr, quand on a capté cette information, et ça j'engage tous les veilleurs, c'est l'évolution de nos métiers, c'est de l'analyser, de la mettre en perspective et d'apporter, je dirais, une valeur ajoutée à cette information primaire. Et ça j'engage fortement, et ça c'est un peu, je dirais, la transformation de notre métier. On voit que il y a quelques années, on était plus sur un accès à l'info. Promouvoir l'accès à l'information parce que les canaux Internet n'étaient pas présents. Donc, on était là pour ça. Là, maintenant, les canaux Internet sont là. Donc, l'information est disponible par tout le monde. Mais on voit bien que l'accès à l'analyse ou à la valeur ajoutée de l'information, elle n'est pas encore présente. Donc, on a ce devoir, en fait, en tant qu'organisme public ou veilleur, d'apporter une valeur ajoutée à cette information. Donc, dans cette partie-là, certes, il faut s'appuyer sur notre réseau, appuyer sur nos compétences pour pouvoir apporter cette valeur ajoutée, mais aussi s'appuyer aussi sur les outils de diffusion, de curation, et comme Scoopit le fait très bien, il y a plusieurs modes de mise en valeur de cette information, et même à travers Scoopit. On a le premier mode qui est, je dirais, la notion de tag, ça veut dire qu'apporter une lecture rapide de cette information qu'on va diffuser par quelques tags. Donc, c'est les sujets principaux qui sont débattus dans cette information qu'on veut poster. Ça, c'est un premier moyen de mettre en valeur cette information.
Le deuxième, et j'engage tous les veilleurs, c'est de poster et donc d'utiliser l'outil que propose Scoop.it aussi à l'intérieur. C'est la rubrique commentaire. Donc, apporter notre valeur par une mise en perspective de cette information. Donc, je dirais entre guillemets, se mouiller un petit peu en tant que veilleur et apporter un commentaire de valeur pour que, je dirais, face à nous, nos clients puissent appréhender au mieux cette information primaire. Et ça, j'engage fortement tous les veilleurs à le faire parce que, bah, en face à nous, on a souvent, et comme nous en tant que CCI, on a souvent des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise n'ont pas le temps de lire. Et donc, il faut leur apporter la substance moelle de cette information. Donc, il faut utiliser tous les moyens qui nous permettent qu'ils puissent avoir une lecture rapide et puissent prendre la bonne décision face à cette information. Donc, ça, c'est important. Et le dernier volet, je pense que Scoop.it le fait très bien, c'est la mise en valeur de l'information, mais visuelle. Donc, on voit bien que pour ceux qui utilisent déjà Scoop.it, on a une forme de mise en valeur de l'information par, je dirais, la mise en page et ainsi de suite. Ça, c'est important. C'est important, la visualisation de l'information. Et maintenant, je dirais, pour un veilleur, primordial. Et il faut s'en soucier. Il faut essayer d'apporter un regard neuf, un regard autre de l'information et de la mettre en perspective. Donc ça, c'est important. La visualisation, j'engage les veilleurs qui sont présents avec nous ce matin, de se pencher sur cette partie-là, de dire, voilà, comment je peux mettre en valeur cette information de façon visuelle. Parce que ben, face à nous, on a des clients qui n'ont peut-être pas le temps de tout lire. Donc c'est vrai que la revue de presse est intéressante, il faut continuer. Je pense qu'il faut avoir des modules à côté de cette revue de presse, par exemple, cette diffusion d'informations brutes, mise en perspective, en mettant des tags, en mettant des commentaires, mais aussi peut-être mettre de la visualisation. Donc une forme de visualisation, c'est bien sûr les tags, hein, où là on voit tout de suite une importance sur, je dirais, des sujets, donc ça alerte. C'est intéressant, ça focalise l'œil du client sur telle ou telle thématique qui va lui permettre d'aller chercher l'information très rapidement dans un flux d'informations qui peut être conséquent à terme. Donc ça, il faut utiliser ces outils et éviter d'avoir une liste à la Prévert d'articles. Ça, on va vite, très vite perdre, je dirais, nos clients si on laisse ce moyen. Il faut le garder, certes, mais il faut avoir des moyens qui aient de lecture rapide de ce contenu. Donc, c'est un des moyens, et je pense que Scoop.it l'a bien compris. Il faut engager aussi, et je pense que on a aussi, en tant que veilleur, on utilise d'autres outils, peut-être d'autres éditeurs. C'est aussi notre devoir de les accompagner, je crois, en tant qu'éditeur, de les pousser à dire, votre information, vos outils, il faut qu'ils mettent en valeur l'information, mais de façon visuelle. Voilà. Et ça, Oui, c'est alors. important et ça permet d'organiser aussi cette information. Oui, donc du coup, c'est pour résumer un petit peu, donc on va détecter l'information via les moteurs de recherche, donc dans votre cas Scoop.it, les intégrer dans des pages, faire cette mise en valeur en y ajoutant votre point de vue, en résumant l'information, en y faisant apparaître l'information clé de cet article-là, et vous allez l'organiser via des tags pour justement pouvoir retrouver facilement tous les articles qui seraient tagués avec un mot spécifique. Là, comme on peut voir dans l'exemple, il suffit qu'on peut voir qu'il y a 4 articles qui traitent du CO2. Donc, ça permet vraiment d'avoir une verticalisation de la lecture du contenu au sein même d'un topic. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Vous, au donc, sein de la CCI, vous proposez un autre type de visualisation ah oui. permettre donc de relier encore plus largement ces données. Oui, alors là, bah c'est tout un travail que je mène depuis plus d'une dizaine d'années sur la mise en perspective d'une masse d'informations qui est plus conséquente par rapport à un topic qu'on va créer sur Scoop.it. Hein. Sur Scoop.it, on va relayer l'article ou les articles qui sont intéressants. Là, l'intérêt, c'est de, avec ces outils de cartographie de l'information qu'on développe au sein de CCI Hauts-de-France, c'est de pouvoir dire, on qualifie sur la chaîne de valeur de la veille, hein, de la collecte, l'analyse et la diffusion,
On va avoir le même principe, c'est d'aller collecter l'information sur des sources primaires d'informations qui sont qualifiées. On va capter cette information et après, derrière, toute notre valeur ajoutée, c'est de créer un dictionnaire ou un thésaurus pour ceux qui connaissent aussi, de créer un dictionnaire propre aux besoins des clients, ça veut dire, ou d'un secteur d'activité, pour pouvoir analyser cette information et de la mettre en perspective et de regarder un petit peu sur ce flot d'informations, les interactions entre les différentes thématiques. Là, sur cette carte que je vous présente, sur un PowerPoint, on a traité une masse d'informations provenant de 200 sources issues de la thématique matériaux, sources anglophones, 200 sources. On collecte grosso modo 6 000 articles par mois, et puis on va traiter cette information sous un spectre, un dictionnaire qui est sur votre gauche, en dessous du donuts, sous différents angles. L'angle pays, l'angle un secteur d'industrie, angle matériaux, bien sûr, angle process d'application des matériaux, pour regarder sur une échelle de temps que vous voyez tout en haut, là, une petite ligne bleue, de regarder un peu l'évolution de ces thématiques, l'interaction entre ces thématiques, et voir un petit peu comment ça évolue pour pouvoir après derrière, je dirais la diapo suivante, c'est de pouvoir voir les relations entre des thématiques, donc regarder un petit peu quelles sont les relations, de voir les articles qui sont issus de cette relation, de voir un peu ben, ces deux thématiques qu'on a choisies, voir leur réseau et voir les nœuds qui sont en relation pour pouvoir avancer dans cette information, dans ce flot d'informations, analyser cette information pour après, derrière, dans un second temps, bien sûr, ces outils-là sont des outils d'aide à l'analyse sur des gros corpus pour pouvoir avoir un recul assez important pour pouvoir bâtir dans un second temps des notes d'opportunité ou tendance sur des thématiques. Et là, bon, voilà, nous, on travaille ici dans le cadre de CC Hauts-de-France sur cette carte matériaux, notamment orientée matériaux agro-sourcés, de regarder un petit peu comment ça évolue, quels sont les secteurs d'activité qui sont impactés par ce type de matériaux, quels sont les process qui sont les plus utilisés dans tel ou tel secteur d'activité. Donc, regarder cette information pour pouvoir après derrière produire une note d'opportunités ou de tendances, qui sera, je dirais, on pourrait boucler la boucle avec Scoop.it, qui pourrait être l'objet d'un poste dans un topic. Hein, donc, d'avoir voilà cette information. On s'est aperçu que aussi dans la cartographie, c'est qu'on va mettre aussi à disposition de nos clients, certes la cartographie, s'ils le souhaitent, mais aussi des tableaux de bord, parce qu'on sait qu'on n'est pas encore. On n'est qu'au début de l'appréhension de ce type d'outils de cartographie au sein des entreprises. Ça, j'ai vécu cela. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va naviguer avec le client sur la carte et le client va nous dire, ben, tiens, telle thématique et telle thématique, le croisement nous intéresse. Moi, je ne veux pas voir la carte, mais je veux voir un tableau de bord de croisement. Et donc là, on s'est projeté pour créer des tableaux de bord avec des visualisations qui sont plus, je dirais, plus appréhendable par notre client, donc par des courbes, des histogrammes, mettre à disposition la liste des articles concernant le croisement des articles. Mais avant tout, c'est que je me soucie toujours, certes, on répond à un besoin du client, c'est de dire je veux les articles de ce croisement, mais derrière, je me soucie d'apporter une valeur ajoutée à ce croisement. Ça veut dire que dans ces 328 articles, par exemple, dans cette diapo, on va lui apporter d'autres artifices graphiques pour lui montrer qu'il se passe autre chose dans ces articles. On parle d'autre chose aussi par rapport à nos dictionnaires que l'on a conçus dans les cartographies. Donc, les diapos suivantes nous montrent un petit peu, par exemple, une treemap, une autre façon de visualiser l'information sous forme de cube. Si on prend la catégorie jaune au milieu, c'est la catégorie matériaux. C'est-à-dire que dans les 3D printing et le secteur de l'aéronautique, sur l'ensemble des 328 articles, voilà je dirais les matériaux sur lesquels on utilise plus. En fait, on retrouve les matériaux. Donc, le composite est important, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la forme, dans la visualisation, on a des petits carrés
tout en haut. Donc ça, c'est des signaux faibles. Ça peut être des signaux faibles qui sont intéressants de suivre dans le temps. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi, on a retransposé aussi l'échelle de temps sur ces types de graphes. Ça veut dire que le client peut jouer, en fait, manipuler ses données sur l'ensemble des 328 articles sur la période de temps. Il peut jouer sur la période de temps pour voir un peu comment l'évolution, la treemap évolue. Donc, est-ce que sur une période de temps, c'est un autre matériau qui va être en tête ou d'autres vont évoluer et ainsi de suite. Donc, les autres catégories, les autres couleurs sont aussi d'autres catégories. Par exemple, le orange, c'est les acteurs. Donc, ça peut être intéressant de voir le positionnement des acteurs sur le croisement 3D aéronautique qui est présent sur ce croisement. Donc, on peut retrouver, bien sûr, les acteurs, je dirais, de la 3D en tête, hein, Stratasys, EOS, et ainsi de suite. Donc, des acteurs qui sont. Donc, c'est intéressant de voir un peu l'évolution. Donc, ça, c'est une forme de représentation. Et une autre forme de représentation que l'on a, c'est à travers le texte, on peut citer des villes, des pays, et ainsi de suite. C'est d'avoir une représentation visuelle, de dire où ça se passe. Sur les 328 articles, sur l'aéronautique et la 3D, on voit bien qu'il y a trois zones sur la map monde. Bien sûr, les États-Unis qui sont très très bleus, mais je peux l'expliquer pourquoi c'est très bleu. On a des sources anglophones très américaines, donc on a plus d'informations américaines que d'autres secteurs de la map monde. Mais on voit bien que bah, l'Europe est très présente. Bien sûr, on est sur l'aéronautique, on a les trois zones de l'aéronautique, hein, les États-Unis, l'Europe et qui arrive fortement avec le Japon, la Chine et ainsi de suite, l'Inde, on voit bien. Et donc la 3D est très présente sur ces trois zones. Ça amène une valeur ajoutée à cette information. Les 328 articles, on la visualise autrement et ça peut amener, je dirais, au client de pouvoir analyser et de se positionner sur cette information ou sur ce croisement. Voilà, donc on se soucie. Et c'est tout l'intérêt de vous montrer un petit peu et à travers, ben, bien sûr, des outils comme Scoop.it ou à travers nos outils, c'est d'apporter, certes, il faut apporter une valeur ajoutée à cette information primaire. Donc ça, c'est l'objet des veilleurs, c'est de pouvoir mettre en perspective et d'apporter une valeur ajoutée qui est vraiment une valeur. Et travailler sur la visualisation. Et ça, c'est important. Et on le voit de plus en plus. La visualisation prend un essor dans le domaine de la veille important. Je dirais, il vaut mieux avoir une belle image qu'un long discours. Et à partir de là, on peut faire pas mal de choses. Et donc, une fois que vous avez apporté cette visualisation, j'imagine qu'il y a la dernière étape qui va être la diffusion La auprès diffusion. de ces Oui. usagers. Donc, il y a Alors. différents moyens de diffusion. Quels sont les moyens de diffusion qu'a choisi la CCI? Alors, plusieurs modes de diffusion, si on revient sur l'aspect Scoop.it et Topic, hein, sur notre appréhension de l'outil, plusieurs modes de diffusion. Là, si je prends dans mon cas, dans le département Rêve3, on a créé un site Rêve3, où là-dedans, on a mis une rubrique Espace Veille Rêve3, où on va réintégrer en fait le topic de Scoop.it dans notre site. Ça, c'est un premier moyen de diffusion. Le deuxième mode de diffusion que l'on a, c'est au sein de la CCI Hauts-de-France, on a un autre service qui est l'Infodoc qui utilise aussi Scoop.it. Un autre mode de diffusion, le premier mode est toujours le même par rapport à F3, c'est la diffusion du topic sur le site de la CCI. Et le deuxième mode de diffusion, c'est quand le client est intéressé par le topic, il peut s'abonner à la newsletter. Donc, on a le module newsletter qui est associé à Scoop.it pour pouvoir diffuser après sous un autre mode qui est plus classique par email. Quand la newsletter sort, on a une diffusion par email de la newsletter issue du topic. Par exemple, ici, ce qu'on voit à l'écran, agroalimentaire et innovation. Donc là, Est-ce c'est voilà, les différents modes de diffusion. que Jean, vous Et utilisez le troisième, si je coupe Charlotte, le troisième mode de diffusion, et ça, on a une réflexion parce que je dirais, le modèle économique des chambres de commerce est très bouleversé en ce moment. On apporte une valeur ajoutée, et certes, notamment dans le cadre de Rêve3.
On apporte une valeur ajoutée, comme je l'ai dit tout au début, on apporte une valeur ajoutée au poste qu'on met j'irais dans le topic, au niveau du Scoop-It. Donc, on a toute une réflexion de coller un modèle économique à ces flux d'informations. Parce que là, on va porter notre analyse, une valeur ajoutée. Donc, ça, c'est quelque chose qui a une valeur. Et cette valeur-là, elle peut être monnayable. Donc là, on est en toute une réflexion pour avoir un mode de diffusion plutôt sous forme d'abonnement. D'accord, bah parfait. Bah merci. Merci beaucoup Jean pour toutes ces explications sur la veille et puis sur votre métier. Je crois qu'on a reçu une question d'une des personnes connectées. Elle est pour vous, Jean, donc je Oui. vais la lire. Quels sont les autres outils utilisés hormis Scoop-It? Ces outils de cartographie de l'information sont-ils des outils développés en interne? Alors, les outils sont développés en interne. Certes, c'est des outils qui ont été sur étagère, qui sont dans le mode, je dirais, commercialisable et commercialisé. Moi, l'intérêt, c'est que j'ai vu d'assembler ces différents outils pour pouvoir aboutir à ce mode de diffusion qui est la cartographie. Donc, c'est un outil qui, nous aussi, on a un modèle économique derrière ce mode de diffusion sous forme de cartographie. C'est un mode de diffusion soit sous forme d'abonnement, bien sûr, parce qu'on va développer nos propres cartes sur des thématiques liées, bien sûr, à la troisième révolution, hein. On aura une carte sur les matériaux, mais on aura une carte sur le recyclage, valorisation des déchets. On va avoir une carte sur le bâtiment au sens général, mais liée à toute la notion de smart grid et ainsi de suite. Donc, ces cartes seront à disposition moyennement abonnement, accès via abonnement. Et le dernier mode, c'est vraiment le mode, et ça, je l'ai eu, j'ai le cas en région, c'est que il y a des clients qui sont intéressés sur cette forme de représentation de l'information pour leurs propres besoins. Donc là, on développe leurs cartes, leurs propres cartes. Donc c'est de la prestation, je dirais, sur mesure. Mais ces outils, oui, c'est des outils qui existent sur le marché. C'est toute une ingénierie qui a été montée. Bien sûr, c'est pas que un simple outil, c'est l'association de minimum trois outils pour arriver à ce que je vous ai montré en cartographie. Et chaque outil a sa propre fonction. Il y a un outil sur la collecte, un outil sur l'analyse et un outil de diffusion qui est plutôt la cartographie. Et ça, l'expérience a fait que le veilleur, en fait, s'est associé plutôt à une profession qui est intéressante, c'est qu'on ne s'est pas associé en premier à des informaticiens pour développer la plateforme de diffusion, visualisation, mais on s'est associé à des designers. Donc, on a un croisement avec des professions qui étaient à l'époque, on n'envisageait pas d'associer des designers, mais j'ai bien vu que la compétence mise en perspective de l'information venait des designers. Certes, après, derrière, les designers ont une compétence informatique parce qu'il faut développer sous forme plateforme SaaS et ainsi de suite. Mais avant tout, ce qui m'intéressait, c'était leur compétence de mise en valeur de cette information sous forme graphique. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à les questions. Mais sachez que vous avez les coordonnées sur le PowerPoint, donc on pourra, si vous le souhaitez, avoir des échanges plutôt sur l'aspect, je dirais, cartographie, si vous le souhaitez. Sur Scoop-It, je préfère que vous puissiez vous rapprocher de Charlotte, hein, parce que c'est plus à eux, mais mais moi sur l'aspect cartographique. Donc je voulais montrer, voilà, à travers ce webinaire, c'est de vous montrer que certes, il faut s'associer aux outils qui nous permettent de mettre en valeur cette information et plutôt la mettre en valeur, la valeur ajoutée et ce que nous on apporte en tant que veilleur. Alors, je pense qu'on a une autre, peut-être dernière question, toujours pour vous, Jean. Oui. Comment interpréter ou comment lire finalement le mapping dynamique? Alors oui, certes, on a fait deux diapos, mais il y a toute une phase. Ce que vous avez vu, on utilise des algorithmes de spatialisation, hein, bien sûr. L'algorithme de spatialisation, c'est force, c'est attraction-répulsion entre les nœuds, en fait, hein, donc c'est le lien. En fait, les liens sont de plus en plus forts entre des nœuds, donc ils vont se rapprocher. Donc c'est ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que
sur la carte qu'on vous a montrée, c'est que à un moment, on voit que sur la 3D, si on peut aller sur la 3D, en fait, on voit qu'il y a des secteurs d'activité qui sont très proches. Très proche, juste, oui, celle-ci, bon, par exemple, celle-ci que j'ai sélectionnée 3D, on voit bien qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont très proches. L'aéronautique, l'aérospace sont très proches de la 3D. Mais ce qui, je veux voir, c'est qu'à un instant T, par exemple, sur une période de temps, ces secteurs d'activité ou ces acteurs, hein, parce qu'on peut avoir une veille concurrentielle, hein, grâce à, je dirais, grâce à ces cartographies, parce qu'il y a une catégorie acteurs, hein, donc on voit le positionnement des acteurs sur la carte en fonction de technologie, en fonction de matériaux. Ce qui est intéressant, moi, ce que je veux voir, c'est d'avoir ces outils pour qu'ils me permettent de lire entre les lignes, parce que humainement, lire 6 000 articles par mois, on peut pas le faire. Et faire une analyse sur, je dirais, 10 ou 15 angles, on peut pas le faire non plus. Donc l'outil nous permet d'aborder la carte sous différents angles. Et ce qui est intéressant, c'est de lire cette carte en fonction d'une échelle temporelle, en fonction du, je dirais, de son positionnement. Le nœud, à un instant T ou sur une période de temps, est positionné là, à une interprétation. Et on voit dans le temps, au fur et à mesure du temps, parce qu'on va nourrir cette carte, hein, tous les mois, je nourris du nouveau corpus que j'ai récupéré et que j'ai analysé, je l'intègre dans cette carte, on voit qu'il peut y avoir des évolutions dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui peut, pour le veilleur, apporter, je dirais, une première. Il y a quelque chose, il y a un phénomène qui se passe. Ce phénomène, après, derrière, l'intérêt, c'est de pouvoir l'analyser. Et ça, c'est l'humain qui va le faire, c'est pas l'outil. Et ce que j'ai bien dit, c'est l'outil. L'outil est un outil d'aide à l'analyse. Après, derrière, pour faire une note d'opportunité ou de tendance, c'est quand même, on revient à j'irais au travail humain. Ça veut dire qu'on va reprendre l'information issue de ce phénomène qu'on a repéré sur la carte. On va reprendre les articles, par exemple, et puis on va les lire, et puis en faire une synthèse et faire un petit A4 recto verso pour différents phénomènes qu'on a repérés sur la période de temps. Et c'est ça qu'on va fournir aux clients. Parfait, ben Voilà. merci. On a une petite dernière question qu'on va Oui. aborder, puis après les autres, on vous répondra directement par mail ou sur le chat. Donc la dernière question, c'est en interne à la CCI, partagez-vous la veille de la même manière? Comment gérez-vous les commentaires de la veille? Faites-vous intervenir des collègues experts? Je reprends tout. Oui, des collègues experts, oui, intervenir, oui, ça, oui, on fait intervenir sur ma chaîne de valeur, par exemple, sur la veille. Je suis pas seul, je suis pas seul. Certes, je suis généraliste, avant tout, le veilleur est curieux, donc il doit apprendre aussi, donc ça, c'est intéressant, mais je m'associe toujours dans ma démarche, notamment dans la cartographie ou autre, par exemple. J'irais même dans le Scoop-It, hein, on a des topics qui sont très très j'irais très Collaboratif. particuliers, ouais, très très particuliers. Par exemple, on a un topic sur la qualité de vie au travail. Ben là, c'est une experte de notre équipe qui va nourrir, je vais l'aider à concevoir ce topic, mais elle est experte de son domaine. C'est elle qui va sélectionner les articles. C'est pas moi, en fait. Moi, je vais l'aider à appréhender l'information, donc à la capter, pour pouvoir après, derrière, la diffuser, et elle mettra son commentaire, et ainsi de suite. Donc, je suis plutôt en background sur la manipulation de l'outil, mais l'expert vient analyser l'information. Donc, ça, c'est important de s'associer. On n'est pas tout seul. Il faut pas rester tout seul. Il faut s'associer. Et moi, ça m'arrive dans la cartographie aussi, de m'associer avec des experts, mais extérieurs aussi. Donc, issus de labos, issus de pôles de compétitivité, et ainsi de suite. Donc, c'est un réseau qu'il faut constituer pour pouvoir apporter vraiment une valeur haute de l'information. Parfait. Dans la question, il y avait plusieurs questions. Oui, il y avait J'avais. la façon de partager. Est-ce que vous partagez tous de la même façon votre veille au sein de la CCI en interne? Oui. Tout ce qui est fait, soit cartographie ou topic, ça, au sein de l'équipe et au sein de la CCI, on partage de la même manière. On partage de la même manière et on a des interactions entre nous pour pouvoir expliquer, analyser, compléter aussi. Et voilà, donc on partage de la même manière.
Ça, c'est important, c'est important. Il Merci faut avoir encore. toujours la même information, il faut avoir la bonne information, mais la même information pour tout le monde, en fait, au sein de l'équipe. Ben merci encore, Jean, pour votre temps, votre partage de l'information également, votre partage de votre expertise et de votre métier. Merci à tous d'avoir été présents. Nous vous enverrons donc le webinaire. Nous répondrons à toutes les questions par mail également. N'hésitez pas à nous en poser. Vous avez nos coordonnées sur le dernier slide. Et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir.